plus j'avance, plus je me répète. Il y a 2 ans, je comprenais pas grand chose. Maintenant c'est pire. Depuis quand pour devenir populaire faut faire des trucs de geek? Ils posteraient des sextapes de leurs parents pour plus de clics. Personne trouve de travail fixe même avec un bac plus 8. Mon livreur de pizza s'est réparé des satellites. La mode c'est des cols en V, des pulls, des chemises et des gilets. Les professeurs, les banquiers, les comptables sont devenus stylés. On raconte nos vies à des étrangers pour se sentir exister. Je vais voir une vieille faire une crise cardiaque. Je l'ai tweeté. Ça me choquerait pas que les insultes dans nos pensées soient bipées. Profilé, à ta santé, je connais ta personnalité. Autour de moi, la cocaïne paraît tellement cliché. Ça me choquerait pas si j'apprenais que mes grands-parents sniffaient. J'ouvre le journal, trouve un nouveau scandale. Une nouvelle affaire toujours plus abominable. Un nouveau pilaman qui pète encore un câble. Une pensée radicale, tout flingue encore ses semblables. Rien d'étonnant, chaque jour plus détonnant. Les nouvelles erreurs saccagé pour une poignée de dollars, des enfants orphelins dormaient sur les trottoirs. Je vois ces femmes manifester leur mécontentement, obligées de se mettre à nu pour être entendues. La division partout en politique, de droite, de gauche, trop de discours parfaits. On dépense des milliards pour visiter d'autres planètes, plus capable de prendre soin de celle qui nous a fait. J'essaye de croire en la société, elle me démontre chaque jour. J'essaye de voir les bons côtés, tente de rester positif dans la difficulté. Mais cette folie censée me protéger participe au trafic. Cette justice manipulée par des êtres maléfiques. Plus rien ne m'étonne. Les gens dorment mou, y'en a plein dehors, mais je les regarde à la télé. Tu peux être une célébrité, travailler chez Aide les Fissiers. Plus l'émission m'abrutit, plus j'ai envie de la regarder. Ça me poserait pas de problème que Direct 8 remplace Arte. Les petits vont encore boutiser, oui, vuittoniser. Bientôt y'aura des carrés VIP dans les lycées. Nos scouts étaient défrités, maintenant c'est leur sexualité. Ça me choquerait pas si Marc Dorcel rachetait Walt Disney. Les mères se font lifter, les filles se font plastifier. Bientôt les gamines de 8 piges feront du 90p. Ça me choquerait pas de trouver du lubrifiant dans les Kinder. J'ai comme envie de tous ces clones de Justin Bieber. Dans les rues de Babylone, il a utilisé, noyé son peuple dans le sang. Il a violé plusieurs dizaines d'enfants sans défense. Il a vendu des organes, des bombes, des flingues et même des femmes. Il a des poubelles d'un coup du refus d'aller servir. La guerre en chef, il a kidnappé, même immolé. Il a pillé, martyrisé, même égalisé. Détourné des troncs, de longs ponts de pavillons. Qu'est-ce qu'ils ne sont pas ronds? Payer leurs études, qui n'est pas celle de l'État. Ils mettraient des caravanes à la fac, ça me choquerait pas. Fermer les bibliothèques, on a des PS3, y'a des caméras partout, vos 15 minutes de gloire m'intéressent pas. Tu connais les pas, t'espères que la tectonique revienne. Tu portes encore des wayfarers, c'est plus la mode depuis 2 semaines. On sème la terreur dans le crâne des électeurs. Ça me choquerait pas que Wes Craven fasse le journal de 13h. J'ai peur, les capacités de mon cerveau diminuent. Docteur, ma planète est déréglée comme un oubli de pilule. Je pourrais croiser Michael au prochain coin de rue. Plus rien de méthode, c'est naïf pour avoir un point de vue. Plus rien de méthode. Chaque jour, dualité de plus en plus critique. L'homme l'alimente, c'est fait toujours plus tragique. On me parle d'un monde meilleur pour nos enfants, je suis certain. On me parle d'un monde meilleur pour m'en rester aussi. Plus rien de méthode, plus rien de méthode. Les biodies, c'est les pires films, les pires atrocités. Plus rien de méthode, au sujet de l'art. Les pires vides, c'est les pires chiffres, les pires atrocités. Plus rien ne m'étonne au sujet de l'art.